Une séance de prière à l'endroit des jeunes leaders du parti politique Union progressiste de la 8e circonscription électorale, ce vendredi 17 juin 2022, à la mosquée de Kadera, dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou. Cette initiative des jeunes du quartier Yarakene vise à implorer la miséricorde d'Allah afin qu'il guide le jeune dynamique Abdoulaye Ousmane Traoré et ses pères dans leurs différentes activités et surtout prier pour l'union entre les filles et fils de ce quartier. D'abord, le site principal, c'est l'union des jeunes de quartier Yarakene pour aller soutenir M. Ousmane Traoré dans ses combats politiques, parce que c'est un jeune qui a une ambition pour la jeunesse. Donc nous, les jeunes du quartier, on a vu qu'avec lui, la jeunesse va s'en sortir un peu de l'eau, comme on le dit en langue. Raison pour laquelle tous les jeunes maintenant de Yarakene, Kadera, Zazira, Kabasira, Bakinkura, Madina, Ouézé, nous les jeunes, on s'est mis ensemble pour l'accompagner sur son combat politique, pour que déjà avec l'union progressiste, on puisse sortir notre épingle du jeu. Et sans l'union, ça ne peut rien passer. Des jeunes ayant pris part à cette prière apprécient. Bon, après cette prière, nous avons l'objectif de la prière même, c'est de rendre la jeunesse de Parakou, précisément Yarakene, plus solide et plus unie pour accompagner Ousmane Traoré dans ses mouvements politiques. Les souhaits que nous avons aiguré, le premier souhait d'abord, c'est l'union. Et le secondo, c'est de l'accompagner dans ses mouvements politiques et que Dieu soit avec nous pour qu'il puisse gagner sa bataille. Après avoir confié Ousmane Traoré sa suite à Dieu, Moussa Mamansiba, représentant l'initiateur de cette séance d'adoration, lance cet appel à l'endroit de la couche juvénile et des jeunes de la 8e circonscription électorale. À toutes les jeunes qui restent là, la porte est ouverte pour qu'on puisse dialoguer, chercher une solution de la jeunesse. Et de deux, on demande à Ousmane Traoré aussi, étant donné que je connais un peu, c'est comme là dans son programme, il a la jeunesse en cœur, parce que lui aussi il est très jeune, il sait le problème des jeunes, donc aider à la jeunesse pour qu'on sorte ces jeunes-là de la mendicité politique. À travers cette séance de prière, ces jeunes du quartier Yarakene environ de Parakou manifestent une fois encore leur engagement aux côtés de Ousmane Traoré, Farouk Azoumarou, Rachidat Salifou et les autres jeunes leaders de l'Union progressiste de la 8e circonscription électorale pour une victoire sans tache de l'UP au soir des législatives prochaines.